J'ai commencé par préparer le teint de ma modèle juste avant de faire le maquillage. Pour cela, quand j'ai eu fait le teint, j'ai commencé à séparer son visage en deux avec un crayon couleur chair. Sur la partie la plus importante de son visage, j'ai recouvert sa peau avec un aquacolore rose. J'ai ensuite pris un fard sec noir pour commencer à ombrer son contour. J'ai aussi réalisé des petites cassures comme si le visage se craquelait. J'ai pris ensuite un fard sec violet pour apporter un peu plus de profondeur à l'ombrage. J'ai ensuite utilisé un eyeliner noir donc pour faire le contour du nez. J'ai fait la même chose pour les dents du squelette, y compris également sur la joue, et le contour de l'œil noir avec un crayon à l'intérieur dans sa muqueuse. J'ai fait aussi des petits ronds sur tout le tour de l'œil qui va être noir pour donner un petit peu plus de relief. Alors l'œil où il n'y a pas donc le contour noir, j'ai utilisé un fard à paupières violet pour créer une sorte de banane entre guillemets. J'ai ensuite utilisé un rose donc pour le coin interne de l'œil, suivi d'un tout petit peu de nacre pour ouvrir le regard. J'ai ensuite utilisé un eyeliner pour souligner son regard et l'accentuer davantage. Et j'ai fait de même sur le ras de cils inférieur pour avoir une concordance entre la partie nue et la partie qui était colorée donc du Calavera. Pour finir, j'ai utilisé des strass de format un peu clou doré que j'ai disposé sur les endroits de mon squelette de façon à créer un peu plus d'harmonie et accessoiriser davantage le personnage. Sur les dents du squelette, j'ai également utilisé un tout petit peu de nacre blanche pour donner un peu plus de contraste et de l'eyeliner blanc pour aussi donner du volume à mes dents. Et pour finir, j'ai utilisé un aquacolore noir que j'ai disposé au niveau de son cou de façon à créer une concordance entre le visage et le cou, éviter que ça soit trop blanc et trop nu. Et ensuite, j'ai fait un semblant défilé de dégradé vers du gris pour finir.